Mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy. Je voudrais m'adresser à messieurs les présidents de l'Union africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. La Libye, qui est un pays membre de l'Union africaine. Vous et vos services de renseignement avez dû voir le reportage de CNN sur la vente aux enchères en tant qu'esclaves de vos ressortissants en captivité en Libye au moment même où je vous parle. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir? Qu'est-ce que vous attendez? Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité, d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Je répète, je vous demande d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs jusqu'à la libération totale de tous les captifs en territoire libyen. Si les présidents de l'Union africaine et de la CEDEAO nous donnent l'impression d'avoir démissionné, alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Je vous remercie.